Garde ton sang-froid. Allez, je suis prête. C'est à toi. T'as perdu. Disparais. Toute prête, prends ça. Et voilà le travail. Trop vite quand même. Il faut qu'on grimpe là-haut alors? Si jamais ce machin s'effondre, on va finir écrasé en bas. C'est pas comme si c'était la première fois. On devrait déjà être mort 10 fois, avec tous les risques qu'on prend. C'est bloqué? Vous croyez que cette corde vient des sauveteurs? On devrait pouvoir monter par ici, non? Avec le grappin, ça devrait aller. Vise les cordes qui pendent là-bas. Essaie de pas tomber! Vous savez, les pistolets grappins, c'est tout un art. Vous comprenez? Une fois en haut, on redescendra plus. T'es prêt à y aller? Y'aurait pas une corde qui pend quelque part? Un jeu d'enfant! On va vite s'ennuyer à ce rythme-là. C'est bon, je sais. Le plus important, c'est sauver Iris. Ah!
mettre sur toi. Je vais t'en mettre plein la vue. Je vais le faire. Fini de jouer. C'est tout ce que tu sais faire. J'arrive. Je sens la vision. Hey, tout va bien? Aucune chance! Impossible! Vous ne m'entendez pas? Qu'est-ce qui se passe? Répondez, bon sang! Vas-y! Allez, réponds! Oui, rien à signaler. Il y a eu une attaque de monstres, on les a éliminés. Ah, comme si on n'avait pas assez de boulot avec ces fumiers d'avalanche. Ils sont sûrement planqués comme des pétochards. Si vous les trouvez, jetez-les donc en pâture aux monstres. Hein? Répète un peu! Tu vas voir qui de nous deux est un pétochard! Je vais te montrer ce que ça fait de finir empâté pour monstres! Il avait raccroché. Hein? Et merde! Encore ce machin! Vite! Il faut qu'on se mette à l'abri! Essayez d'accrocher vos grappins là-bas. On va traverser. Faut tenter le coup. Qui va là? C'est vous. Le groupe Avalanche. On les a trouvés. Envoyez des renforts d'urgence. Eh ben bravo. On peut dire que pour la discrétion, faudra repasser. Faisons autrement. Faut que je sois... Oh,
vraiment arriver à grimper? Avec les grappins, ça devrait aller. Espérons que ça va passer. Ça va faire mal. Pas grave. Je serai sur la tête. Continue comme ça. J'allais te le dire. Thank you.
Ça se passe plutôt bien, non? Continuons comme ça. Si ce truc tient pas le coup, la chute va faire sacrément mal. N'oublions jamais ce paysage. Je suis gonflé à bloc. Quelle idée de débouler au cœur du QG de la Shinra. Va pas exploser. T'en fais pas pour moi. Je sais me contrôler quand il le faut. Vraiment bien. Ça t'embouche un coin.
Bon sang! Je serai sans pitié.
Cloud. Un jour, on rebâtira le bar. Oui. Je l'espère. Dis, Cloud, tu voudras bien nous aider. Pas gratuitement. À toi de jouer. Ok, c'est parti. À toi de jouer. Ouais, aucun problème. Ne rentrez pas. Oh, je compte sur toi. À mon tour. Oh bordel, il est sérieux lui. Attention au laser. Oh,
joué. Voilà ce que ça fait quand on nous cherche. Oh. Qu'est-ce que... Et merde. Oh. D'émotions aujourd'hui. Oui. Allez, encore un effort. On n'est pas arrivé. Tout ça, c'était qu'un échauffement. C'est bon, arrêtez-vous. Ça, c'est du comité d'accueil. Quand je vois tout ça, je me demande presque si on a vraiment une chance. On a la force du désespoir. Ça sera ça, notre chance. Garde-en pour plus tard. Bon, c'est quoi le programme? On y va de front et on fonce dans le tas? Ça leur en mettra plein la vue. Pourquoi on a emmené un bourrin? Hein? Essayons par derrière. On devrait pouvoir passer par l'entrée du parking. En état d'alerte maximale. Ha ! Ils savent à qui ils ont affaire. C'est certainement pas seulement pour nous. Peut-être contre Avalanche. Ou même le Wutai. On a un cessez-le-feu avec le Wutai. Mais la guerre, elle, n'est pas finie. Toujours aussi forte! Et j'ai besoin de me décharger de ma colère de temps en temps, tu comprends?
Désolé, faudra que tu te maîtrises. On saute dessus. Ben
Rosa. J'arrive. Y'a pas un chat. Ouais. À ton avis, Cloud, où pourrait être Aeris? Selon moi, dans un labo du département scientifique. C'est où ça? Je dirais... tout là-haut. Au sommet. T'en es même pas sûr ?
Essayons de savoir. Il y a peut-être un plan à l'accueil. C'est quand même un beau bâtiment. Ha ! Je vais tout casser. Leur beau building, là. Il n'en restera rien du tout. Attends qu'on soit plus dedans. Ouais, ouais. Une barrière laser. Je pense qu'il vaut mieux pas la toucher. Bordel, ils ont tout prévu. Dépêchons-nous d'aller en haut. Bon. Et comment on monte ? Là-bas au fond, il y a un ascenseur et des escaliers de secours. Il faut monter tout en haut pour arriver au laboratoire, non ? Je vote pour qu'on prenne l'ascenseur. Monter, va nous falloir une clé, on dirait. On dirait que dans cet immeuble, ils utilisent des cartes. Il me semble que j'en ai vu une quelque part. Mais oui, à l'accueil. Oui, mais comment faire? On pourrait peut-être passer par en haut. Regardez. Si on se sert de ces luminaires, c'est jouable. Ouais, c'est pas gagné. Laissez-moi essayer. De nous trois, c'est moi la plus légère. Pendant ce temps, vous montrez la garde. Bon, souhaitez-moi bonne chance. Sois prudente. T'inquiète pas. Ça va ? J'ai cru que j'allais y rester.
À la force des bras, je vais vous montrer ce que je sais faire. Travaille, Tifa. Ah. Je dois pouvoir désactiver la sécurité. Hein? C'est bien joué, ça. Oh. Oh. Mais j'ai encore rien fait. Bah, on s'en fiche, non? Dis-moi, tu peux chercher à quel étage se trouve le laboratoire? Voyons, donne-moi un peu de temps. J'ai trouvé. Laboratoire du professeur Ojo, étage 65. Alors, d'après ce que je vois, on peut monter jusqu'au 59e par l'ascenseur ou les escaliers. Mais pour aller au-delà, il faudra passer par la réception du hall panoramique, on dirait. Commençons par aller au 59e.